L'enquête a duré 5 semaines et a permis aux policiers d'Ottawa d'arrêter une cinquantaine d'étudiants impliqués à de divers degrés dans le trafic de drogue. Le SPO estime que ses objectifs ont été atteints. C'était à peu près ce qu'on s'est attendu à avoir. Du point de police, c'était pas étonnant, mais je sais pour le public, c'est difficile de croire que nos adolescents sont impliqués à ce point-là dans la drogue. Plusieurs écoles secondaires d'Ottawa ont collaboré avec les 25 policiers impliqués dans l'opération. La plupart des jeunes arrêtés sont des mineurs qui ne feront pas face à des accusations criminelles. Mais pour ceux qui sont majeurs, les conséquences s'annoncent beaucoup plus sévères. Il y avait 2 adultes qui ont été arrêtés et pour eux autres, les conséquences sont beaucoup plus sérieuses que pour les jeunes contrevenants. On essaie, si c'est un jeune, de travailler avec les écoles et avec les ressources à la communauté pour leur donner de l'aide. Il était temps de sonner l'alarme sur le problème répandu de la drogue, reconnaît la direction de l'école secondaire Louis Riel. Bien, je trouve que l'initiative est excellente. Je pense que c'est important que les policiers commencent à travailler dans les écoles, non seulement pour faire des arrestations, des choses comme ça, mais aussi de faire de la prévention avec les élèves. Alors, l'initiative est très bonne. Les étudiants arrêtés d'âge mineur devront suivre des programmes de parrainage et de thérapie. La Maison Fraternité et son centre pour adolescents et leurs familles offrent ce service à des jeunes francophones qui souffrent de problèmes de toxicomanie. Et d'après les thérapeutes du centre, il est important d'aider le plus tôt possible les jeunes qui ont des problèmes de dépendance. Plus le problème est là depuis longtemps, plus c'est dur de le changer. Que ce soit la drogue ou que ce soit n'importe quoi qu'on pense à changer, chacun dans notre vie des habitudes qu'on a, plus ça fait longtemps qu'on fait quelque chose, plus c'est dur de changer ça. Fait que je dirais que le plus tôt est le mieux, surtout dans le but d'éviter des conséquences qui peuvent être irréversibles. Selon une étude menée auprès des jeunes par l'Institut de la statistique du Québec, il semblerait que le nombre d'élèves qui consomment du cannabis est en baisse. En 2000, 52 % des étudiants des secondaires 3, 4 et 5 affirmaient avoir déjà fumé de la marijuana. Par contre, en 2006, il n'était plus que 42 % à en consommer. Or, ces chiffres ne reflètent pas nécessairement le nombre d'élèves qui deviendront dépendants et ni le nombre de ceux qui seront portés à vendre du cannabis. Peu importe le nombre qui essaie, les gens qui restent accrochés puis qui deviennent dépendants, ça change pas beaucoup. You know I smoked a lot of grass. Oh Lord, I popped a lot of pills. Les drogues sont devenues omniprésentes dans la société d'aujourd'hui. Que ce soit avec la musique, dans les films ou sur des affiches, on entend constamment parler de drogue. Pourtant, quand on demande aux étudiants ce qui les influence le plus à consommer de la drogue, ce ne sont pas les films ou la musique, c'est les chums. Je dirais peut-être mes amis. Moi, c'est les amis, puis quand au party, quand il y a plein de monde, puis t'es un peu ça. Puis t'es comme, yeah, sure, on va faire ça. Maintenant, t'essayes de fitter in, genre. Ça, tu fais qu'est-ce que les autres font. Ouais, c'est sûr que les amis, ça va souvent influencer parce que là, tu veux qu'ils t'acceptent et qu'ils restent tes amis. Donc, tu vas dire, ouais, ben, je vais en faire avec toi, là, tu sais, t'es mon chum. Ce qu'on apprend dans les écoles secondaires, ce n'est pas toujours théorique. L'opération de la police d'Ottawa a servi de leçon. J'ai rencontré un étudiant qui, en 2006, a été interrogé pour trafic de drogue. Il a finalement admis les faits aux policiers. Aujourd'hui, il réalise que l'incident lui a apporté plus de bien que de mal. Ouais, ça m'a ouvert des portes à d'autres choses, ça m'a ouvert l'esprit à voir ce que je fais de bon dans la vie, puis ce que je peux bien faire, puis ce que j'ai à offrir au monde. Puis j'ai su que j'ai beaucoup plus à offrir que juste offrir de la drogue à tout le monde. À la suite d'un problème recrudescent de consommation de drogue, Jesse s'était mis à vendre de la marijuana, espérant ainsi pouvoir fumer gratuitement. Cependant, il s'est vite retrouvé dans le pétrin. Aujourd'hui, il partage ses conseils à ceux qui s'apprêtent à vivre les mêmes expériences. Quel conseil aurais-tu à donner à un adolescent qui se lance dans le trafic de drogue? Dis non à la drogue! Mais plus sérieusement, Jesse ne conseille pas aux jeunes de s'embarquer dans le trafic de drogue. Tu vas te faire influencer par le pire des mondes, puis ça va juste créer une dépendance de toi-même, possiblement, vers cette drogue-là. Tu vas... Puis t'as bien des bons talents dans la vie que tu devrais réaliser ce que t'as, puis tu devrais pas les gaspiller. À en juger par le succès de l'opération, il ne serait pas surprenant de voir les écoles et les autorités policières collaborer davantage dans le futur. Non seulement ont-ils pu diminuer de façon significative la quantité de drogue qui circule dans les écoles secondaires, mais ils ont aussi passé le message aux jeunes que le trafic de drogue, ce n'est pas un choix de carrière très prometteur.
Nicolas Brassard-Dion, La Cité collégiale, Ottawa.